Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'AFP, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va changer l'amortisseur pour la F800GS parce que vous le savez pas, peut-être pas encore, mais il y a 3 semaines, j'ai pété l'amortisseur sur une bosse à l'atterrissage. Toi, tu le sais déjà parce qu'on en a parlé sur les réseaux. On se retrouve du coup avec Mathieu. Mathieu, vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo, il était avec sa 990 KTM. En fait, on se connaît d'avant parce qu'on s'est trouvé sur les réseaux pour faire la vidéo. Je roule avec 2 abonnés. Voilà, donc on s'est rencontré comme ça. Ça va Mathieu? Impeccable. Content d'être devant la caméra? C'est génial. Vas-y Mathieu, présente-toi. Alors je m'appelle Mathieu Martins, j'ai créé Liberty Motorcycle en juillet 2014 et on fait de la réparation moto, préparation moto, tout ce qu'on peut faire sur une moto, on le fait. Toutes les marques, toutes cylindrées, que ce soit du custom, de l'enduro, du trail, de la GT, de la routière, on fait tout. Vraiment tout ce qu'on peut faire sur un deux roues, on fait. Il y a le service client, essayer d'apporter un maximum de satisfaction à nos clients, de leur expliquer correctement les choses, de les conseiller sur des bons produits, vraiment adaptés à leur utilisation, ne serait-ce que pour un pneu. Un pneu, c'est pas, ça se conseille correctement, c'est pas quelque chose qu'on peut lui vendre le plus cher parce que c'est le plus beau du rayon. Et la pièce technique, vendre vraiment ce qui correspond au client, même au niveau des prestations, essayer d'être toujours le plus juste, le plus adapté aux besoins et aussi au portefeuille. Le véhicule, il arrive dans mauvais état, on va dire, il doit repartir en meilleur état. Marine, elle, c'est plus le vêtement, elle, c'est vraiment son truc. Charbonnier-les-Mines, 2063, juste au bord de l'autoroute. Liberty Motorcycle sur Facebook, sur Instagram, Liberty Motorcycle 63340. Sinon, il y a le site internet www.liberty-motorcycle.fr. C'est un site e-commerce, plus la présentation du magasin. Le véhicule, il arrive dans mauvais état, on va dire, il doit repartir en meilleur état. Vu que tu fais tout, on va changer cet amortisseur. Je te le passe les outils, c'est toi qui fais. On va voir. Allez, c'est parti. Merci Mathieu pour avoir changé l'amortisseur et du coup il m'a dit qu'il y avait des plaquettes qui étaient mortes, quasiment mortes, il les a changées en même temps. Bah c'est top hein. Tant qu'on y était. En plus ça a pas mis longtemps, moi je pensais que pour changer l'amortisseur ça allait mettre plus de temps mais en fait... Non ça s'est bien fait. Ça s'est fait tranquille. Tu nous as trouvé une randonnée là? Ouais. Avec Damien? On va essayer de casser un peu de moto. En fait, le but en fait c'est qu'on allait rouler avec toi, on casse la moto, après on vient les faire réparer, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Faut pas les ramasser une vieille quoi. Oui, il y a ça. Et puis il peut y avoir un tracteur forestier dans le virage que t'as pas vu quoi. Ouais, ouais. Tu... Je préfère encore la vieille. Quand tu seras plus vieux, tu vas vraiment ressembler au mec de chez Highside, hein. On te l'a jamais dit? C'est un truc de ouf. Il y a tout qui va bien. C'est des garçons. C'est les vacances, dis-moi. Moi, c'est la fameuse douille de 10 qui roule. Je travaille jamais avec les gants. Alors. T'as essayé, ils vont pas. Je mets que des nitriles si j'en achète. J'aime pas les gants en latex. Après, plus t'as les doigts qui puent la bite, c'est désagréable. Tu verrais comment lui pue la mort quand tu lui manges. Une infection. D'amortisseur? Ouais.
chez l'amortisseur. Des fois, t'as l'impression d'ouvrir une fausse sceptique. Ça va être un super moment. Ouais, très agréable. Oh la vache, mais lui, il est taré, lui. Lui, il est malade, il est complètement malade, lui.